Le président est là pour m'engager en termes de son succès. C'est quand allez là. Bonne année, madame. Julien. Oui, Dieu. Julien. Le SMB. Assez la succès est déjà arrivé. Nous avons un programme ici. Je vous ai dit, le programme a subi une petite modification. Voilà, le président et toute l'équipe de la délégation qui attendent la sortie du président du véhicule de sa voiture. Tout de suite, il va sortir. Petite modification et là je lis très rapidement le programme de ce soir. Nous aurons dans un premier temps le mot de bienvenue de notre coordinateur provincial du parti Les Transformateurs, c'est lui qui dira son premier mot. Et après le coordinateur provincial, nous aurons le mot de la vice-présidente chargée de l'engagement féminin, Claudia Wainati, qui va parler au nom de l'équipe, de toute l'équipe qui a accompagné le président. Et après ça, nous aurons la danse tôt. Alors, la danse tôt, je crois que les danseurs sont là. Après la danse tôt, c'est une danse d'une ou deux minutes, puisque le temps nous prend à la gorge. Et après la danse tôt, nous aurons la danse de Kiabé, c'est écrit comme ça. Voilà, et après ça, nous allons laisser la parole au président, docteur Succès Masra, qui va prendre la parole pour boucler la soirée. C'est ça le programme de ce soir. Alors, soyez rassurés, je demande aux enfants qui vont danser tôt de s'approcher, de rester un peu devant pour pouvoir, quand on va les appeler, qu'il soit là un peu plus tôt, puisque le temps nous prend à la gorge. Voilà, le président est descendu de sa voiture. Je salue l'équipe. Nous sommes
salutation fraternelle. La salutation fraternelle de l'équipe présidentielle. Alors nous allons laisser la parole dans un premier temps à notre représentant provincial. Après lui, la vice-présidente chargée de l'engagement féminin va parler, Madame Wainatou, Claudia Keller. Et on me dit ici, on me siffle à l'oreille que les dames doivent venir à l'enfer. Donc juste après, la vice-présidente, nous allons remettre le micro à son excellence, le camarade président qui va dire. Et si nous avons le temps, les danseurs vont nous rejoindre ici. Alors, votre mal en patience, s'il vous plaît. Compte tenu du temps, moi j'aurais aimé que l'équipe présidentielle soit ici. Quand cela me tient. Voilà, un moment à l'autre. Nous allons inviter déjà le coordinateur provincial du parti des transformateurs est là. Monsieur le coordinateur. Vous avez le mot. Voilà, là nous laissons la parole à notre coordinateur provincial du parti des transformateurs, Kosmadji Madjangar, le camarade Kosmadji Madjangar. Il a son mot. Merci. Aba. Allô. Aba. Chers camarades transformatrices, chers camarades transformateurs, chers sympathisants, enlève ça un peu dehors. La population s'il te plaît. Laborieuse du Moins-Chari, tu fais enlever. C'est en vos noms que je prends la parole ici. Mon intervention se situe en trois petites phases. La première phase de mon intervention, en votre nom, par vos voix. Je voudrais ici présenter en vos noms toutes nos condoléances au président et camarade Masra Sikse et son équipe. C'est un homme éprouvé, mais c'est un géant. Il a perdu des camarades les plus proches. En vos noms, je lui présente toutes nos condoléances ici. Et je voudrais aussi lui dire ceci. Le sang innocemment versé est une semence. Et cette semence fera germer une nouvelle république égalitaire qui protégera les vies, qui protégera le peuple. C'est une nouvelle république qui n'aura ni nordiste, ni sudiste, ni les gens de l'ouest de l'est. Nous serons simplement des gardiens et des concitoyens. Et nous y arriverons certainement. La deuxième intervention, c'est la félicitation au président. En vos noms et par vos voix, le président, nous te félicitons pour avoir eu ce dépassement, l'énergie, le courage de pardonner tout ce qui s'était passé et d'aller signer en nos noms la réconciliation. C'est ça aussi la grandeur d'un homme d'État. Soyez-en remerciés et félicités ici, Monsieur le Président. La troisième intervention, en vos noms, par vos voix, je voudrais du haut de ce podium souhaiter la bienvenue à notre cher camarade Sikse Masra et à toute sa suite. Bienvenue dans la ville verte. La ville hospitalière, la ville de solidarité. Soyez les bienvenus. Je ne vous présente pas Masra parce que c'est votre enfant. C'est vous qui l'avez habillé ici. C'est vous qui l'avez nourri au bâton, au Gwenja, au Goudoumboui. Il aura le temps de vous parler. Je ne vous présente pas parce
les enfants. Je vous remercie, monsieur le président. Bienvenue à Sahar. Vous et votre suite, soyez libres, vous êtes chez vous. Merci. Merci au coordinateur provincial du parti Les Transformateurs. Beaucoup de bruit pour lui. Voilà, nous allons inviter tout de suite la vice-présidente. La vice-présidente qui va venir parler au nom de toute l'équipe. Qui va parler au nom de toute l'équipe qui a accompagné le président. Voilà, compte tenu du temps, la vice-présidente n'aura pas plus de 2 minutes. Voilà. Parce que c'est audace, c'est exigence et bienveillance. C'est ça. Madame la vice-présidente, votre honneur. Nous allons accueillir sur ce podium son Excellence, Monsieur le Président. Allez, faites un peu du bruit pour accueillir le Président. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Voilà, le président vient d'avoir un symbole, un guerrier, comme il est le bouclier. Voilà. Allez, le président attend un morceau.
sportif, un vrai danseur. tout de suite, attendez, tout de suite, le message de la réconciliation. Voilà. La ville verte, la ville du premier président, la ville centre de l'Afrique. J'ai une seule chose à faire, je dois payer mon amende. Je vais commencer par mon amende. Mon amende, c'est une bonne nouvelle. Et parce que le centre de l'Afrique se trouve ici à ça, c'est à ça que je passerai la retraite. Je suis venu vous annoncer que nous allons construire ça de manière à ce que le monde entier vienne ici visiter la ville de Sarr. Nous allons construire ici à Sarr la plus grande, le plus grand centre touristique d'Afrique. Parce que Dieu a tant aimé ça. Dieu a tant aimé le Tchad. Dieu a tant aimé ça. Il a décidé que le centre de l'Afrique doit se trouver ici à Sarr. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et Dieu a tant aimé le grand Moïse Tchari qu'il a décidé que le premier président doit venir du grand Moïse Tchari. Est-ce que vous vous rendez compte? Et Dieu a tant aimé le Tchad qu'il a décidé que l'un des meilleurs lycées d'excellence, le collège Charles Lwanga, se trouve ici à Sarr. Dieu a tant aimé ça, qui a décidé que le lycée Cheikh Amnam se trouve ici à ça. Et Dieu a tant aimé ça, qui a décidé que le grand séminaire se trouve ici à ça. Et je peux ainsi continuer la longue liste et le chari qui se trouve ici et le flamboyant. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, je suis très très content d'être ici avec vous. Nous sommes très très contents d'être ici avec vous. Je crois que ça a explosé les compteurs et je voudrais que vous applaudissiez pour vous. Vous pouvez voir cette jeunesse, cette enthousiasme, cet engagement,
Romain Marty. Vous qui la coupe Romain Marty. Nous sommes arrêtés à Bedaya. Nous avons vu nos aînés. Nous avons vu nos chefs traditionnels. Et nous nous sommes recueillis sur la tombe. La tombe du premier président de la République. Et en vos noms, au nom des nouvelles générations, nous nous sommes engagés à nous inspirer de ce qu'ils ont fait de meilleur pour notre pays et à corriger ce qui mérite d'être corrigé afin que notre pays soit totalement transformé. Plus que ça, Artilada, formez Dingaï, formez cadre qui vous tient, au cadre de la carte, Ah, membre! Yang gai mangke kaca changer! Ani main manci arinto gila, rai kol primer sah lama, rai lama berbak lama, rai cici ni. Aduh mre, antang ke drap rai yesio, antang ke yesio, adi ni yesi itu, ada adi ni itu ba, adi transformator ni itu ba, itu si sei no ai itu di ba, jauh kita ba kaje change situasi ecar. Alors, mes chers compatriotes, Sarois et Saroises, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Aïon, nous, non, quoi? Ça, on est parlé de changer, ni de rien qu'il y a la loi. De rien qu'il y a la loi. 2024, il y a un président transformateur qui y a la loi. Il y a un gouverneur qui a la loi. Il y a un ministre qui y a la loi. Ça c'est l'aigle de la République. Ça c'est l'aigle de la République. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour vous-même. Et nous allons voler. À partir de ça, nous allons voler très très haut. Et nous allons explorer tout le Tchad. Et nous allons ensemble transformer le Tchad. Donc je voudrais vous demander à vous, mes petits frères et mes petites sœurs, parce que Sarr est fondamentalement une ville politique, parce que Sarr et le grand Mohamed Chari ont eu les premiers cadres politiques du pays, je voudrais vous inviter à vous engager à travers la politique à changer la vie de notre pays. Hein? Again, vous n'avez pas de rien à voir. Again, pun dah kadirin ke dalam. Kadir orang sesi nadi lah, kita pun dah sesi orang sesi. Kadir lah sesi. Walau apa pun tolak.
Bouna. 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 Le peuple te réclame. Tu es à domicile ici. Toujours à domicile. Allo Yenzi. 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 Respect à Yézé. Vous qui n'avez pas vos cartes d'électeur, allez récupérer vos cartes d'électeur. Parce que l'amour dont vous faites montre à notre égard, ça se voit.
تارك إتارليك أداون ما بنسين 30 كيلومتر رايس عندي ما رايرين سجل أون تارك إتارنجيك أدين دي تربين دوت بارتونو تارك إتارنجيك أدي ريل لاين دان لا بنا ديزر نوني جيهن كاريان نوني إسان كاريو إسان كومن ألبا إيفو كاري ديسي لاني بروشيني أجيهن كاري أدي برولونجي ترانزيشوني مايا أجيهن كاري برولونجي مايا Est-ce que vous voulez qu'on prolonge la transition? Est-ce que vous voulez qu'on arrête la transition? Oui, j'entends. Oui, il faut arrêter la transition pour revenir à l'ordre constitutionnel. Oui, il faut mettre fin à la transition pour que vous puissiez élire vos gouverneurs, élire vos députés, élire vos sénateurs et élire l'équipe qui va diriger le Tchad. Ça dépend uniquement de vous en tant que peuple. Donc nous sommes venus vous dire à vous qui avez vos cartes, gardez-les précieusement. Vous qui n'avez pas vos cartes, allez récupérer vos cartes. Vous qui ne vous êtes pas fait un relais, tenez-vous prêts pour que lorsque nous allons obtenir un prochain enrôlement avant les élections, vous puissiez aller obtenir votre carte. Et avec cette carte d'électeur, le jour du vote, vous allez aller voter pour les dirigeants que vous voulez pour changer la ville de Sarre et changer tout le temps. Et avant d'arriver là-bas, souvenez-vous, en 96, certains parmi vous étaient peut-être très jeunes, une constitution a été votée. Cette constitution a permis, y compris à des enfants de Sarre comme de Kamogé, d'être candidats. Et au président Déby, paix à son âme d'être candidat, paix à l'âme aussi du général Kamouké, ils sont tous déjà partis. Nous sommes une nouvelle génération, nous avons besoin d'une nouvelle constitution. Pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, nous nous sommes battus avec Dr Sitak en tête pour exiger que la nouvelle constitution s'inspire de la constitution de 96. Donc dans les prochains jours, il y a une nouvelle constitution qui est présentée, qui va passer au référendum. Vous êtes des transformateurs, vous êtes des transformatrices. Vous devez choisir vos combats. Nous devons choisir nos combats. En 2021, ils ont modifié l'âge dans la constitution pour nous éliminer de la candidature à la présidence. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, grâce à votre combativité, grâce à vos recommandations, grâce à vos engagements, grâce à votre sueur, vous avez absorbé les gaz lacrymogènes, vous avez été blessé, vous avez été arrêté, vous avez été torturé, mais vous n'avez pas baissé la garde. Et aujourd'hui, la nouvelle constitution, ils sont obligés de changer l'âge qu'ils avaient ramené à 40 ans, ils vont ramener entre 25 et 35 ans aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. La deuxième chose que vous avez obtenue par vos recommandations et qu'ils ont été amenés à mettre dans cette constitution, c'est que désormais, vous allez élire vos gouverneurs. Le gouverneur de l'Ukimoyen Chari, peu importe sa manière de prier, peu importe d'où il vient, vous avez dit vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Mais demain, vous pouvez élire n'importe lequel des Tchadiens et des Tchadiennes que vous voulez pour gouverner la ville de Sarre dans la justice et l'égalité. Ça va être mis dans la constitution. Est-ce que vous voulez arrêter les conflits agriculteurs éleveurs? Oui. Vous voulez qu'on arrête les conflits agriculteurs éleveurs? Oui. Alors il faut que vous, les Sarrois et les Sarroises, vous choisissez votre gouverneur. Un gouverneur qui n'est pas nommé et qui est élu par vous doit rendre compte à vous en tant que peuple. Et ça, nous allons obtenir. Ils ont mis trois ans. Mais si cette constitution est approuvée, nous allons travailler pour qu'on passe à cinq ans. Pour que le mandat des gouverneurs soit allié au mandat des présidents. Un gouverneur qui est élu, il doit trancher dans la justice et dans l'égalité. Il ne va pas regarder la tête des citoyens pour chercher à savoir si ce citoyen prie de telle façon, il s'habille de telle ou de telle manière. Donc ça, ce sont des progrès que nous avons obtenus, mais ces progrès ne sont pas suffisants. Et bien, comme je vous ai entendu tous et partout où nous sommes passés, vous savez que dans l'isoloir, vous êtes seul à décider. Il y a Dieu,
Il y a votre conscience et il y a vous. Dans l'isolat, c'est ça qui va se passer. Mais je vous ai entendu à travers le Tchad nous dire que votre objectif, c'est qu'on doit revenir à l'ordre constitutionnel. On ne doit plus rester avec un pouvoir qui est un pouvoir de transition, qui a déjà été prorogé une fois. Est-ce que vous voulez encore qu'on prorogue une deuxième fois? Alors, en toute lucidité, même si cette constitution n'est pas à la hauteur d'une constitution que les transformateurs mettront, s'ils sont au pouvoir, vous avez le choix vous-même de choisir cette constitution pour permettre que nous ayons des candidats à toutes les élections. Et quand vous allez voter pour mettre vos candidats à la tête du pays, nous allons introduire tous les débats, réouvrir tous les débats et changer la constitution pour l'améliorer selon ce que vous voulez. Et surtout, les dirigeants que vous aurez choisis pourront apporter des solutions à votre vie, à la vie des Sarroises et des Sarrois et à la vie de la nation dans sa globalité. Voilà le choix devant vous. Donc vous qui n'avez pas vos cartes, retirez vos cartes. Vous qui ne vous êtes pas fait enrôler pour le référendum, c'est trop tard. Mais après le référendum, nous allons dialoguer. Nous allons obtenir, j'espère, que nous puissions obtenir un autre enrôlement. Et alors à ce moment-là, quartier par quartier, arrondissement par arrondissement, ville par ville, village par village, vous devez aller faire enregistrer tout le monde afin qu'en 2024, un président transformateur soit installé à la tête du Tchad, oui ou non ? Voilà ce que nous devons faire. Donc, pour terminer, ça que des cicatrices, c'est que ça, c'est ça. C'est une guerre, il est un goût. C'est une guerre, il est un goût. Arrêtez à tromper si, allez. L'objectif est là, ils sont bons. L'objectif est là, quand ils changent une dirigeance, quand ils installent les leaderships serviteurs de Tchad, c'est. Il y a un moment, il y a un jury, quand ils disent, quand ils chacun de vous, à partir d'aujourd'hui, comme je l'ai dit à Koumra, comme je l'ai dit à Moundou, comme je l'ai dit ailleurs, à Niamena, je suis venu, oui, à Bébidja, à Béboni, je suis venu aujourd'hui avec toute cette équipe-là pour vous dire qu'à partir de Borara, Inana et Borara, une porte-parole officielle des transformateurs et des transformatrices. Il est dit à partir d'aujourd'hui là, c'est officiellement porte-parole des transformateurs. Ah oui, il porte Bordeaux, le quartier Cardio, Italie, ah oui, Anas, Aoun Kassai, Aoun Maïngara, Irene Begula, Aoun Takela, Aoun Logut Malanoni, qui a dit sensibiliser des cadres, qui a dit que le quartier est inscrit, qui a dit voter. À partir de 2024, il a dit installer le transformateur à la tête du pays. Si vous faites ça avec détermination, avec force, avec courage, nous allons enfin avoir les dirigeants serviteurs à la tête du Tchad. Et alors, la ville de Sar, qui abrite le centre géographique de l'Afrique, nous allons y installer le plus grand centre touristique du monde, que dis-je, d'Afrique ici, afin que tout le monde vienne visiter la ville de Sar. Et alors, nous allons aussi pouvoir installer des industries de transformation de nos profits locaux. Nos arachides, nos yogourts, nos wulsar. Tout ça, nous pouvons les transformer et faire en sorte que le Tchad puisse vivre de ses produits. Voyez-vous? Donc, mes chers compatriotes de ça, nous sommes venus vous envoyer en mission. Et nous demandons à chacun de vous de travailler 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Et sans doute moins de 365 jours, nous allons enfin installer dans notre pays les dirigeants que nous aurons choisis. Et à ce moment-là, la transformation deviendra une réalité dans notre pays. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, et merci pour votre amour, ça. Merci beaucoup, merci. Nous bangomsi, merci beaucoup. Merci.
Yeah!
Thank you.
Ah, 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 ah
Va devant. Thank you.
Non, il va pas descendre. Vous avez dit que vous avez dit que vous Wa mai arbu bakan dawa Ele o proja ele o ele o yaki proja ara au beze patu ayo ali ya jirebu
Yalla. Voilà. Voilà.